Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Mediana là, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager ou intéresser ou, pas oublier abonner avec Mombad Mediana et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie de l'équipe notification Mombad Mediana là. Bien, nous pas perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Mes très chers collègues, amis de la presse parlée, écrite, télévisée, et aussi les médias en ligne. L'OPC, l'Office de la protection du citoyen et de la citoyenne, a l'honneur de remettre officiellement au chef de l'État, Son Excellence, Monsieur Jovenel Moïse, le document de synthèse des deux journées du forum organisé les 12 et 13 août derniers à l'hôtel Montana. Sur le thème central, bien évidemment, le maître de cérémonie l'a signé, réforme constitutionnelle et régime politique en Haïti. Déroulé en présence de plusieurs personnalités, des personnalités du monde universitaire, des personnalités du monde judiciaire, en toute indépendance, l'OPC, en dehors de toute passion et de façon académique, a voulu, à travers ce forum, Monsieur le Président, alimenter le débat sur cette question brûlante d'actualité. Une question brûlante d'actualité qui constitue, à bien des égards, une priorité de l'heure. Peut-être, on pourrait même dire, la priorité des priorités. Comme le bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince l'a dit, l'éminent juriste, maître Montfermier d'Orval. Durant ces deux jours, quatre sous-thèmes ont été débattus par des professeurs, des avocats, des militants de droits humains. Et les quatre sous-thèmes, c'était d'abord, y a-t-il ou non nécessité pour une réforme constitutionnelle en Haïti? Le deuxième sous-thème, réforme constitutionnelle et acquis démocratique. Le troisième sous-thème était porté sur réforme constitutionnelle et enjeux politiques. Et on a eu un quatrième sous-thème, dans la mesure où, depuis l'adoption de la Constitution 87, eh bien, la société civile joue un rôle fondamental dans les grandes questions haïtiennes. Nous avons donc choisi comme quatrième sous-thème le rôle de la société civile dans le débat sur la réforme constitutionnelle. Et dans un esprit démocratique, les participants, en toute liberté, se sont prononcés en atelier sur ces sous-thèmes. La synthèse de ces réflexions est insérée dans le document que je vais vous remettre officiellement, Monsieur le Président de la République. Mais, plus gros bagaille que nous sommes capables de dire, qui retenu notre travail participant au, qui est fait en atelier. Premièrement, c'est que l'idée bon pour gagner une constitution qui finit avec ça qui empile mon relais depuis un certain temps, marchandage pour poste premier ministre en Haïti. L'idée bon pour gagner une constitution qui non seulement renforce l'acquis démocratique 87,
Mais nous capables même font si bac, nous capables même remonter vers les années 1946. Cela veut dire l'intégration, l'implication de tout le monde qui a vu dans le pays, quitte ce monde dans la ville, quitte ce monde en dehors. L'autre bagage qui est important, qui est discuté dans l'atelier et qui est dans le document de synthèse là, c'est l'intégration, frère Nolo, action Nolo, qui a vu l'autre bord de l'eau. Il y aurait le nom de langage, diaspora. Mais on nous dit, frère, sœur, qui a vu l'autre bord de l'eau. 90% de monde, ça y est. À partir de enquêtes, de études, en pile monde. Maintenant, il y aurait que monde ça y est, qui a quitté le pays, involontairement. Et le plus souvent, c'est pour raison parfois politique, pendant certains temps, et aussi pour raison économique. Ils ont été très attachés à ce qui a passé dans le pays. Ils ont suivi tout ce qui a passé dans le pays grâce à les médias en ligne. Donc, il y a un thème qui était soulevé, il y a une résolution qui était censée adopter la prise en compte de l'intégration effective de nos frères haïtiens et de nos sœurs haïtiennes vivant à l'extérieur, monsieur le président de la République. Nous ne connaissons pas nous-mêmes au niveau de l'OPC qui l'est pour que ça avance. Nous ne sommes pas capables de date, nous ne sommes pas autorité pour ça. Cependant, en vous remettant ce document de synthèse, monsieur le président, l'OPC, en tant qu'institution publique, continuera à être cet interlocuteur indépendant vers lequel les pouvoirs publics, le pouvoir central, les organisations de la société civile et les citoyens peuvent se référer pour la création d'espaces de dialogue, d'échange, de débat, dénué de passion, dénué d'esprit sectaire et partisan, mais orienté vers la consolidation de la démocratie, le bien-être collectif et l'instauration, bien évidemment, d'un état de droit tant souhaité par plus d'un. Nous voulons en profiter pour remercier une fois de plus, comme on l'avait fait le jour de la clôture, les participants et participantes à ce forum pour leur esprit d'ouverture. Remercier aussi les intervenants pour la tolérance, le niveau académique dont ils ont fait montre au cours de ces deux journées de travail et de discussion. Nous formulons le vœu que ces assises tenues les 12 et 13 août derniers constituent le socle à partir duquel d'autres débats sur d'autres angles de la réforme constitutionnelle peuvent être réalisés à travers le pays, non seulement à Port-au-Prince, mais dans les autres régions du pays. Et dans cette perspective, l'OPC vous recommande, monsieur le chef de l'État, d'envisager la création d'un comité spécial composé de personnalités compétentes. On a des personnalités compétentes dans le pays. Composé de personnalités crédibles de différents secteurs vitaux de la vie nationale en vue d'arriver à la formation d'un comité d'experts multidisciplinaires devant travailler sur la rédaction d'un éventuel avant-projet d'une nouvelle constitution à toute fin juridique. Au regard de sa mission, l'OPC, structure étatique, s'engage, prend l'engagement
formellement, publiquement, à mettre son expertise et son savoir-faire aux 10 comités et aux autres parties prenantes, en vue bien évidemment de renforcer le régime juridique haïtien conformément aux instruments internationaux de protection des droits de l'homme que nous avons signés ou que nous avions ratifiés dans le système onusien de protection des droits de l'homme et dans le système interaméricain de protection des droits de l'homme. J'ai donc l'honneur, Monsieur le Président de la République, de vous remettre officiellement le sac du forum pour merci beaucoup. Merci, Monsieur le Protecteur du Citoyen. Eh bien oui, comme à chaque fois, au bureau qui vient de côté de la présidente, idéo, sous comment nous capables de battre une nouvelle constitution, président pays à tout, il y a un mot pâle que l'a adressé à groupe Sayo. Et je dis à tout, il y a un mot pâle pour l'adresser à Protecteur Citoyen, Monsieur le Président de la République, son excellent Jovenel Moïse. Monsieur le Secrétaire Général du Palais National, Monsieur le Protecteur du Citoyen, Madame, Messieurs les membres du cabinet du président de la République, Madame, Messieurs les membres du cabinet du Protecteur du Citoyen, je veux parler de la coordonnatrice, du directeur général et du responsable de communication du bureau du protecteur du citoyen. C'est un réel plaisir pour nous ce soir, je dirais cet après-midi, de vous recevoir au palais pour prendre connaissance de ce document. Je l'ai dit lors de mes deux dernières prises de parole, parce que l'OPC est le troisième groupe que j'ai reçu au Palais National. J'ai reçu deux premiers groupes qui ont apporté des documents, mais ce sont des documents, je dirais, qui parlent d'une nouvelle constitution. Mais comme vous le savez, je l'ai dit chaque jour, parler de constitution en Haïti, ce n'est pas une chose facile. Il faut des personnes indépendantes, des gens indépendants, qui peuvent en fait produire des réflexions sur un texte pour une nouvelle constitution. Nous autres, au niveau de l'exécutif, nous sommes là, comme l'a si bien dit l'article 136 de la Constitution, nous sommes là pour donner tout ce qui est en fait en notre pouvoir afin d'accompagner ce travail qui est cher au peuple haïtien. Et je dois vous dire, Monsieur le Protecteur du Citoyen, vous avez parlé et au niveau du Palais National, nous avons compris tout ce que vous avez dit. Le pays a besoin nouveau départ. Vous m'avez dit, après 3 ans, 6 mois et quelques jours à la tête de ce pays, je veux confirmer cet après-midi que l'heure est grave. Nous n'avons pas de temps à perdre, nous devons aller vite dans les réformes. Je l'ai dit pendant plusieurs prises de parole que les réformes sont indispensables pour le progrès et le bien-être du peuple haïtien. Après-midi, sur l'autre satisfaction que nous avons, pour me recevoir 3e document, ça. Et nous connaissons un document qui a écrit dans tout le pays.
Ça me veut dire chaque haïtien qui a regardé mon capitaine de là, que le document ça, c'est pas pour nous quitter notre tiroir. Même Jean protecteur citoyen, il écrit président de la République. Pour lui remettre les documents que l'institution indépendante ça a produit, nous avons un seul choix, c'est recevoir le document ça. Mais c'est des documents, nous ne pouvons pas entrer dans le tiroir, nous allons mettre sur le bureau pour nous tendre au moment opportun. J'aimerais te dire le matin, non, prise de parole, mon BAH, fuck moun, qui m'a élite pays, de commencer à sortir dans le silence. Parce que si vous ne pas parler, nous connaissons le peuple à dire, roche, elle va parler pour vous. Je dis, il faut que nous sortions dans le silence nous, pour nous commencer à dire comment nous voyons le futur pays. Nous. Voir le PAM comme président, c'est accompagner tout groupe organisé, tout parti, quoi à droite, quoi à gauche, quoi à mi-temps. Nous avons un élan solidarité, un élan patriotique pour nous mettre le pays sur route, changement tout bon vrai que tout haïtien rêve. Dans bon côté par nous rêvons dans ce pays depuis 7 février 2017. Nous avons travaillé, nous avons bataillé. Mais ça m'a dit au protecteur, la bataille n'est pas facile. Ce n'est pas facile pour qui ça, c'est parce que l'intérêt est divergent. Je dis, ça m'a demandé tout le monde. C'est pour nous comment pour nous être capables de contribuer l'intérêt personnel, pour nous prioriser l'intérêt collectif. L'intérêt collectif, c'est eux-mêmes qui permettent gros réflexion ça. Gros intellectuels dans le pays a commencé à faire, ils ont servi la nation. Et Jean, comme des deals, ce n'est pas le président qui vient qui pour venir dire, mais qui Jean pour travail, révision, réforme, nouvelle constitution que Jean nous a fait. Acteurs, pour nous commencer à sortir dans le silence, pour nous commencer à dire qui ça nous voulait faire ensemble avec le pays. Nous même à l'acte qui est venu dans la constitution 1987, là, moi j'étais petit monde, mais moi-même je comprends dans l'époque ça, ça n'a pas grave pour ça. Et pourtant, malheur ça, c'est un gros malheur qui fait nous connaître plus passé 10 années d'instabilité dans le pays, de 1987 à 1980. Je dirais 17, ça veut dire là, nous venons gagner l'élection qui devait mettre le président Préval en 95, je crois, au pouvoir. Nous voyons qui ça, ça te baille. À cause article 291 là. Moi bien fait toute frère, toute somme qu'on est aujourd'hui. Depuis n'a parlé des affaires réformes, des affaires révision, des affaires nouvelles constitutions, évitez parler pour des monde qui parle à dedans. C'est pour lui inclusive. Ça veut dire que c'est monde qui a le pouvoir. Que c'est le monde qui est dans l'opposition, que c'est le monde qui est dans la diaspora, que c'est le monde qui est en dehors, loin, que c'est le monde qui est dans le ghetto, que c'est le monde que nous empilons nous, qu'on a considéré comme une minorité, qu'on dit c'est eux qui sont plus riches dans le pays. Il faut tout la donne. Qu'on pauvre, qu'on riche, qu'on rouge, qu'on noir.
ça va pas le passer là, il n'y a pas une exclusion là-dedans. Moi, t'as pas une cause, mais il n'y a pas qu'à faire sans tout le monde là-dedans. Et c'est pour ça, je pense qu'aujourd'hui, à chaque fois que j'ai une occasion pour demander frère, chef qui est dans l'opposition politique, moun ki pa gen même idéologie politique qui pa réfléchi même là moi dans affaire politique moi di yo yo pa ka faire rien pour compte yo même j'aime quoi tout m'pa ka faire rien pour compte moi c'est ensemble pour nous faire moment arrivé pour être ensemble pour nous commencer à garder exemple 200 et quelques années d'indépendance. Regardez combien de turbulences que nous connaissons. Et il y a qu'on est déjà 22 constitutions. Donc, dis-nous que ce n'est pas changer la constitution pour changer la loi. Si nous ne parlons pas de nous ensemble pour nous connaître, pour nous changer, ça veut dire pour nous respecter les règles jouettes là. Les règles jouettes là veut dire qui ça? C'est respecter la loi, c'est respecter l'argent de l'État. C'est respecter délai, ça veut dire au monde qui a un mandat, là on a une élection, c'est respecter, c'est les règles de la vie. Je dis, c'est moi qui l'a. Demain, c'est pas le même. Ça veut dire si nous ne pas de respecter les règles de la vie, turbulence que nous connaissons, nous ne pouvons jamais suspendre. Ça veut dire. Intellectuel, gros savez dans le pays aujourd'hui, vous commencez à parler de la 23e constitution. Mais un gourmet pour la 23e constitution, ça, si nous y refaire pour le caméner nous dans la route développement, dans la route lumière, dans la route vivre ensemble, dans la route tête ensemble, route ça que j'en sais que nous étions blancs, là où tu as décidé d'aller réunir dans AKR le 18 mai 1803. Nous voyons qui ça a été barré, tout ensemble ça, c'est barré la bataille de Vétien, qui était bonne ou indépendance, mais depuis là ça, nous voyons du route nous. Nous gourmets l'un contre l'autre, après la mort de Saline, pays a divisé. L'Ouest font partie, le Nord font l'autre. Nous continuons chaque moment dans l'histoire. Nous continuons à payer. Et aujourd'hui, nous ne pouvons pas les camper. Sous-développement misère que nous avons aujourd'hui, c'est produit turbulence nous. C'est produit intolérance, non. Je dis à nous vivre dans le carrefour, côté pour nous y en obliger, pour pas même un choix, tolérer l'autre avec l'idée. C'est ça qui peut permettre nous aller côté, nous décider vrai à la pays, ou de changement, ou de développement. Région, nous-mêmes qui vivons dans Port-au-Prince, nous ne pouvons pas ignorer. Yo. Pour nous comprendre, moun sa yo pas moun. Moun sa yo réfléchit même là avec nous. D'ailleurs, c'est yon nan yo qui sorti dans la région yo, qui vivait président jodi. Moment bataille là, li vivait pour nous camper. Après 3 ans, 6 mois et quelques jours, bataille ça. Pas qu'à mener nous côté nous voulons. Je dis, c'est pour ça, moi-même, comme chef d'État, monde qui est responsable, équipe qui est sous pouvoir, moi dis-nous, prise pouvoir, dans la condition que des gens qui souhaitent, c'est dans notre crise, nous allons entrer encore, dans la bataille pirate. Je dis, c'est pour nous entendre, pour nous connaître que, seule façon pour prendre pouvoir dans le pays, c'est dans l'élection.
pas quitter personne, mais de notre tête que au cabine font petit coûte tant qu'au pays a son bécan. Nous pas dans 4% encore. Tant ça a révolu. Je dis à c'est à péter. Ça veut dire nous pas qu'à penser si nous pas peser. Peser la fait mal. Et c'est notre peser à nous la connaître. Qui pour permettre pour payer pour un nouveau départ. Qui pour permettre pour chaque monde. En ce qui nous concerne, pour la responsabilité. Nous même qui sommes privés, ça qui est public, monde qui est société civile, monde qui est université, nous tous ensemble. Nous venons faire yon pour nous travailler pour retirer plus de 3 millions de personnes qui vivent dans l'extrême pauvreté dans le pays. C'est pour ça, maman, papa, tu es à l'école. C'est pour ça, moi-même, peuple a bon pouvoir. C'est pour ça, nous-mêmes qui je dis, qui est un gros aura dans la société. C'est pour ça. Le monde là n'est pas qui fait l'éducation, c'est pour venir servir le peuple. Moi, pareil, pour me finir, je remercie encore le protecteur citoyen avec l'équipe qui fait gros geste ça pour la nation. On ne pas faire ni pour le président, ni pour l'équipe président, pour faire pour le pays, pour la nation haïtienne. Pour porter aujourd'hui dans le palais national un document de synthèse à colloque qu'on fait. Rôle par l'autre secteur, rôle par l'autre institution dans le pays, le monde dans la société civile, là, c'est suivre le port de la protection. Pour nous capabiliser, par les problèmes du pays, j'ai la solution pour nous arriver à mettre le pays sur route de changement tout le monde. Merci à vous. Merci Monsieur le Président, merci Monsieur le Protecteur citoyen. Voilà qui met fin à cette cérémonie de remise de documents. Nous connaissons déjà parole constitution à parler. Eh bien, il faut le parler dans tout secteur. Merci à la presse active de couvrir troisième cérémonie. Hein? Donc on est à bien l'autre. Donc n'a dit que causer sous réforme constitution continue. Merci à bien tout le monde. La photo de souvenir, Monsieur le Président, à l'extérieur. Voilà. Et merci avec tout le monde qui était branché pour te capter. Dernière information. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous abonner avec chaîne là. Et toujours songez pour activer petite cloche là. Les nous lagon vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons une agréable journée tout le monde. Une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.